Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les réseaux Orange et MTN ont été impactés par une coupure internet le jeudi 14 mars 2024. Toujours dans le même sujet, suite à cette coupure, les VTC ont été paralysés, nous en avons fait le constat dans la commune de Cocody et une saisie de boissons prohibées a eu lieu à la frontière ivoiro-ghanéenne. La Côte d'Ivoire a frôlé le blackout total sur le réseau Internet. Le jeudi 14 mars 2024, au matin, les abonnés des réseaux de téléphonie mobile Orange et MTN se sont réveillés sans connexion Internet. Une situation qui a mis plus d'une activité à l'arrêt. Les utilisateurs ayant besoin d'Internet pour leurs différentes activités se sont tournés vers la concurrence. Là, je vais acheter une parce que, bon, voilà, il euh, n'y euh, a pas de connexion Internet sur la euh, puce Orange. Voilà, on est tellement devenus dépendants à Internet que depuis bon, voilà, de la commune ce matin, on n'a pas Internet. Donc, euh, on s'est tous rivés euh, okay. euh, vers euh, yes. MOVE, parce que euh, selon les informations, MOVE a encore Internet. Donc, je suis venu prendre une plus-mou pour pouvoir avoir ouais. Internet, les travaux et autres. Là, je suis un peu impacté euh, par l'incident quand même, parce que ce matin, j'avais quand même pas mal de meetings importants où je devais euh, travailler. Malheureusement... Je me suis réveillé avec euh, la connexion euh, Internet. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est en fait, avec un opérateur de telle envergure, normalement, il devait avoir un réseau en boucle qui permet, si par exemple, on perd l'Internet euh, oh. sur le fond A, du moins, c'est le fond B prendre. Là, avec euh, le réseau fait j'ai eu à échanger avec certaines personnes et c'est eux qui m'ont suggéré de venir chez MOVE parce qu'apparemment, ils ont une liaison dédiée. Donc, j'espère bien, par exemple, avec un jour, pouvoir continuer à faire mon travail tranquillement. Suite à cet incident, un opérateur dévoile l'origine du problème. C'est un incident que nous avons vu. Un incident principalement sur la sable, qui était un câble sous-marin. Euh, il y avait une batterie terrestre et une partie marine. La partie terrestre a été trichée, a été endommagée. Euh, suite à des travaux de voirie, on peut le constater. Euh, et notre câble a été entièrement sectionné. Ce qui a occasionné la perte de l'ensemble de, notre... de certains... Il s'est également exprimé sur l'étendue de l'incident et les moyens mis en place pour le retour progressif du réseau Internet dans le pays et dans la sous-région, notamment. Au Togo, en République démocratique du Congo, au Cap-Vert et même hors du continent, au Portugal. Nos équipes sont derrière moi en train, en train de travailler d'arrache-pied afin de restaurer notre besoin au bout de même matin. Quant au partenaire, je vous en engage. Quant aussi aux travaux en pleine mer, euh, au minimum, il faut espérer une, plus, une semaine voire plus. Parce que ce sont des travaux en pleine qui prennent... Selon un communiqué de l'ARTCI, MainOne, filiale de l'opérateur nigérian MainOne, supposé assurer le secours pour Orange et MTN, est aussi impacté. Les opérateurs Orange et MTN seront invités à mettre en œuvre un plan de bascule vers le câble de Move Côte d'Ivoire, chez qui l'Internet est fonctionnel, en plus de MainOne, pour établir le service Internet avec une qualité acceptable. La coupure du réseau Internet des réseaux Orange et MTN en Côte d'Ivoire a frappé tous les secteurs de l'économie. Les chauffeurs de VTC ont vu leur journée du jeudi 14 mars totalement paralysée. Dans la commune de Cocody, cette info a pu constater une longue file de VTC à l'arrêt. Nous sommes bloqués à Cocody, ici, partout, même à Abidjan au niveau de la connexion Internet, au niveau de, de voilà, il y, a, il y a manque de, de connexion. C'est ce qui fait actuellement que nous sommes garés là. Regardez, tous mes collègues et moi, nous sommes gardés la, la connexion. Pourtant, sans la connexion on ne peut pas travailler. Nous sommes tous rassemblés ici, chauffeurs VTC, car nous constatons une perturbation au niveau des réseaux téléphoniques, notamment au niveau de l'Internet. L'activité VTC est une activité qui nécessite une connexion Internet, car elle permet aux chauffeurs de recevoir des bookings et aux clients de pouvoir passer des commandes. Une fois que nous constatons une perturbation à ce niveau-là, l'activité prend. Un gros frein l'activité est paralysée et ça ça nous empêche de pouvoir euh, faire un bon travail aider la population Cette coupure du réseau internet est survenue suite à une rupture de câbles au niveau local en raison des travaux de voirie au niveau du carrefour aquaba et des câbles sous-marins assurant les liaisons internationales. Elle a aussi touché le Libéria le Ghana le bénin, le Burkina faso. Le Togo, le Cameroun, le Gabon, la Namibie, le Niger, le Nigeria ou encore le Lesotho. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, dans un communiqué, affirme avoir pris la mesure de la criticité de la situation et mis une cellule de crise sur pied afin de suivre l'évolution de la situation et assurer un rétablissement du service dans les meilleurs délais. Et pour finir, dans la nuit du 12 au 13 mars, les autorités ivoiriennes ont réalisé une saisie spectaculaire de 3500 cartons de boissons de la marque Striker, d'une valeur de 42 millions de francs CFA à la frontière ivoiro-ghanéenne. Le camion de 12 roues chargé de ces boissons alcoolisées interdites a été intercepté et mis sous séquestre. Ces boissons ont été saisies dans le cadre d'une enquête qui a été menée depuis la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Jusqu'en Côte Ça fait cinq jours que nous sommes sur la piste de ces camions. Et hier, aux environs de 23 heures de résumé, on a pu mettre la main là-dessus. Nous avons saisi le produit. Nous avons saisi le moyen de transport, c'est-à-dire le camion. Nous allons procéder à la destruction de la marchandise parce que ce sont des produits prohibés, comme je l'ai dit. Et nous allons fixer une amende pour montrer le mar. Et il y a des peines privatives de prison qui sont en pour ces personnes. Je suis un conducteur, il a chargé le barrage, il est arrivé à Abidjan. Quand il est arrivé, maman, je suis là, tourné, donc, rentré dans le magasin, j'ai vu camion derrière moi. Quand il est arrivé, il dit Monsieur, donne-moi les pièces avec le permis. Je suis un conducteur, je, je vais remettre les pièces avec le permis. Bon, moi, je, bon ce barrage-là, moi, je prends, il prend des autres marchandises. Voilà, donc. Et tu sais que les, les transporteurs, vraiment, quand on dit un barrage seulement, ils s'en chargent Suite à cette saisie, les autorités ivoiriennes ont lancé une enquête approfondie pour déterminer l'origine et la destination finale de ces boissons. Des mesures strictes ont été prises pour renforcer la surveillance aux frontières et lutter contre le trafic illicite de produits dangereux pour la santé publique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et sur www.setinfo.ci.